c'est pour moi. Et pour moi? Et pour moi aussi. Hé, hey, tu sais pas, mon fils Gabriel, le plus jeune, il est rentré au cégep cette année. Il s'est ouvert un compte d'épargne. Je suis très fière de lui. Moi, j'ai 40 ans et je trouve qu'il est déjà trop tard pour commencer à épargner. C'est vrai que pour vous, les jeunes, je ne sais pas comment ça va se passer, la retraite. Parce qu'il paraît que le système au Québec, il va s'effondrer. Ces personnages ont des idées reçues sur la retraite. Voyons ce qu'en pense Anne-Marie de la Sablonnière, formatrice et spécialiste des questions sur la retraite. Hé, hey, tu sais pas, mon fils Gabriel, le plus jeune, il est rentré au cégep cette année. Il s'est ouvert un compte d'épargne. Je suis très fière de lui. Moi, j'ai 40 ans et je trouve qu'il est déjà trop tard pour commencer à épargner. Mais en fait, il n'est jamais trop tard pour commencer à épargner. Tout ce que vous épargnez maintenant, ben, ça va pouvoir être profitable pour plus tard. C'est vrai que pour vous, les jeunes, je ne sais pas comment ça va se passer, la retraite. Parce qu'il paraît que le système au Québec, il va s'effondrer. Nos systèmes publics au Canada sont considérés en santé. Il y a une stabilité. On sait que la population vieillit. Et graduellement, collectivement, on paye tous un peu plus à partir de notre salaire pour justement pouvoir faire face aux besoins qui vont grandir dans la population québécoise.